reborn. Chaos reborn. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce Reborn, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, j'ai 5 messages importants pour vous, 5 messages seulement. Voici le premier. Le premier, j'aimerais vraiment commencer par vous remercier pour tout ce que vous faites pour moi. De loin comme de près. Tout ce que vous faites pour moi, toutes les personnes qui regardent mes vidéos, toutes les personnes qui partagent nos vidéos, toutes les personnes qui laissent des j'aime, vraiment, j'aimerais dire merci pour votre attention. Merci pour tout ce que vous faites. Vraiment, je suis reconnaissant envers tout ce que vous avez fait pour moi. Que Dieu vous bénisse. Ça fera bientôt 3 ans, en fait bientôt 4 ans. Que nous sommes ensemble et c'est que du bonheur avec vous, franchement, merci. Le deuxième message, c'est cette information que j'aimerais vraiment passer à tous nos abonnés. Déjà, j'aimerais commencer par vous dire, écoutez, je n'aime pas vous appeler les followers ou bien les abonnés. Ce thème-là ne me plaise pas beaucoup. J'aimerais plutôt vous appeler les frères et sœurs. Si j'ai un nom à donner à ce groupe de personnes que nous sommes, j'aimerais juste dire les frères et sœurs. Donc quand je dis bonjour les frères et sœurs, il s'agit de mes abonnés, il s'agit de ceux qui me suivent, ceux qui suivent tout ce que j'ai fait. Donc, voilà, vous êtes désormais mes frères et mes sœurs. Nous sommes aujourd'hui plus de 50 000 personnes. Vraiment, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, nous devons être plus nombreux. Et je bénis Dieu pour ça. Ça veut dire que le travail que je fais est vraiment suivi par beaucoup de personnes. Et Dieu merci, on ne fait que bénir Dieu. Le troisième point que j'aimerais développer maintenant, il s'agit des messages de dénigrement. Genre des gens qui viennent pour laisser des messages pour essayer de salir notre travail. Vous voyez souvent dans les commentaires, ce sont de mauvais commentaires, on reçoit et autres. Vraiment mes frères et sœurs, vous devez m'aider parce que physiquement je suis seul à travailler, vous voyez, je suis seul comme la mer, j'ai personne autour de moi, vous voyez, non? Et nous devenons de plus en plus nombreux. Je pense que je dois solliciter votre aide en commentaire pour que vous puissiez venir remettre les pendules à l'heure à tout mauvais commentaire. Toutes les personnes qui oseront venir m'insulter ou bien dire des méchancetés vis-à-vis de moi, mes frères et sœurs, je vais compter sur vous pour me répondre. Parce que moi-même, personnellement, je ne veux pas répondre à ces commentaires à cause du fait que je dois travailler et vous offrir chaque jour des choses qui vont vous conduire au paradis. Donc pendant ce temps-là, vous veillez sur mes arrières. Vous voyez, pendant que je travaille et que je cherche, je laisse Dieu me parler, m'instruire, me montrer beaucoup de choses, me donner des révélations pour vous. Vous, vraiment, défendez-moi de façon juste, de façon très juste et honnête. Et n'insultez pas les gens. Soyez juste poli, mais dites la vérité. On dit la vérité délivre. Donc, mes frères et sœurs, délivrez les gens. Voilà. Voilà, nous devenons de plus en plus nombreux. 50 000 abonnés, ce n'est pas rien. Donc, je peux compter maintenant sur vous à ce niveau. Au niveau 4,
Oui, au niveau 4. Vraiment, mes frères et sœurs, j'ai reçu un message hier d'une sœur qui m'a posé la question de savoir, mais un autre bon, je veux te soutenir, comment je fais? Quelqu'un veut me faire un don afin que je puisse m'équiper, acheter des équipements, faire des choses, même boire de l'eau, même manger un peu de bonne nourriture, afin que je grossisse un peu, pour pouvoir faire des bonnes vidéos encore. Vraiment, ça me va droit au cœur. Ça me va droit au cœur. À chaque fois que vous faites des dons, sachez que c'est à Dieu que vous faites des dons. Déjà, le simple fait d'avoir la volonté même là, ça fait plaisir. Vraiment, merci beaucoup, honnêtement. Pour faire les dons ici, je pense que j'en ai parlé, mais comme il y a très longtemps aussi, je vous comprends. J'ai établi deux moyens pour faire les dons. Le premier moyen, c'est par virement bancaire. Quand vous regardez la vidéo sur YouTube, dans la description se trouve un lien. Vous n'avez qu'à cliquer sur ce lien. Vous allez télécharger une note où se trouvent toutes nos informations bancaires, c'est-à-dire mon nom. Si vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un, nom, prénom, je ne sais pas quoi, numéro bancaire, numéro de compte bancaire, tout. Ces informations sont là-bas, ça peut vous aider. Pour ceux qui veulent vraiment nous soutenir, je préfère les virements bancaires. Je préfère par virement bancaire, c'est mieux. Toutefois, il y a un deuxième moyen qui est par PayPal. Je n'ai pas mis le lien dans la description, mais vous pouvez cliquer sur Union Sorbonne, aller sur la page d'accueil. Vous allez voir à propos. Quand vous cliquez sur à propos, vous allez voir maintenant PayPal. Même là-bas encore, il y a un lien où vous pouvez encore aller sur la page pour pouvoir télécharger cette petite note où se trouvent nos informations bancaires aussi. En tout cas, faites vos choix, mais je vous conseille de faire vraiment bancaire. Voilà, c'est mieux. Non, moi, je pourrais directement avoir accès comment on dit ça? Je pourrais avoir accès à quoi? À votre don. Et puis commencer à l'utiliser pour investir dans le matériel. Parce que nous avons besoin de sites, c'est-à-dire un endroit, un cadre idéal pour pouvoir bien faire les vidéos. Parce qu'on en a besoin, on a besoin d'espace. On aura besoin aussi de connexion par fibre. Parce que la connexion internet n'est pas tout ça. Je ne suis pas satisfait, mais je fais avec. J'ai besoin de vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, si vous contribuez, vous faites vraiment le temps, surtout pas vraiment bancaire, je pense que vraiment, ça va me booster un peu. Moi, je fais des efforts. Ce téléphone que j'ai acheté, c'est un téléphone. J'ai mis beaucoup d'argent là-dedans. Juste pour faire des vidéos de qualité, de bonne qualité. Tout ça pour vous. Donc chacun aussi doit contribuer pour l'avancée de l'œuvre de Dieu. Et à ce niveau, j'aimerais aussi préciser quelque chose. Je ne force personne à faire les dons ici. Vraiment. Je ne force personne. Alors quand vous donnez, donnez à votre cœur, donnez à leur joie. Comme on dit à l'église, on dit, donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà, vous donnez avec joie. Tu donnes avec joie. Tu fais bien tes calculs. Tu vois que, ah, vraiment, ça là, tu as mis de côté parce que tu veux soutenir un frère qui fait le travail, qui t'aide. Tu veux qu'il progresse encore dans son mouvement. Alors, fais le don. Et je vous remercie pour ça. Et maintenant, au niveau 5, pour terminer, là, je veux parler des personnes qui ont des questions à poser. Si vous avez des questions, vous pouvez me laisser des commentaires directement en dessous de cette vidéo. Vous voyez, vous pouvez laisser vos commentaires, me poser vos questions, tout. Vous voyez, non? Et j'essaierai de vous répondre. J'essaierai de vous répondre puisque nous devenons de plus en plus nombreux. Je pense que ce serait un peu difficile à gérer tous les commentaires. Mais je ferai un effort avec le peu de temps que j'ai pour essayer de répondre à vos commentaires. Vous voyez? Voilà. Voici les 5 choses que j'avais envie de vous dire ce matin avant de faire la prochaine vidéo. Parce que après ça, d'autres vidéos vont venir,
deux vidéos que je prépare vont venir et je pense que Dieu va lui donner la force de pouvoir faire ces vidéos. Et vraiment encore une fois merci, merci à tout, à toutes les personnes qui nous suivent depuis le début, toutes les personnes qui partagent nos vidéos. Vraiment, ça nous ferait plaisir aussi que vous partagez nos vidéos afin que notre communauté s'agrandisse. Ce serait bien qu'on atteigne les 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Ce serait vraiment bien. Toutefois, que tout cela soit entre les mains de Dieu. Merci, merci, merci encore une fois. Et je vous dis bonne journée d'abord. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo ici sur Et on se reprend. Que Dieu bénisse vos soeurs. Prenez soin de vous. Wow, c'était extraordinaire. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon pavillonnement bancaire, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouvent toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs. Prenez soin de vous. Et soyez bon pour le Seigneur.